bonjour et bienvenue dans l'épisode numéro 289 de Stage 1 et nous allons jouer aujourd'hui à Yon Ball 2, Yon Storm. Donc j'imagine qu'il y a eu un 1, en tout cas on n'y a pas joué. C'est un jeu dont je ne connais pas le type non plus, je n'y ai jamais joué. Ça fait plaisir des fois des jeux. Il y a des jeux des fois je les connais, on la démarre, je vous explique. Là je sais pas, voilà, continue je sais pas parce que j'ai pas joué. Donc on va faire un new game. Je sais pas pourquoi il y a deux modes, on peut faire un new game en Tower Assault aussi. Je vais faire un new game tout court. Et on verra sur quoi on va tomber. J'ai l'impression que ma manette a réagi, donc j'ai l'impression qu'on pourrait jouer avec, mais je suis pas sûr. Hyperespace, c'est quand... Oh, c'est très 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 joli en tout cas pour l'instant. Il envoie du pâté graphiquement. Enfin, en tout cas, au niveau des couleurs, on en a plein les yeux. Launching pod, docking sequence activated. Warning, rogue system are present in tower. Une belle tower. J'ai pas envie d'esquip parce que c'est joli. J'ai pas envie de skip. De esque skip. Oh. C'est très joli quand même. Putain, les salauds, ils t'ont fait un univers. C'est quand que je joue? Ok. Ok, c'est ça, c'est le genre, c'est ce genre de jeu, non. Ouah, putain. C'est un casse-brique, les gens. Ouah, con. C'est un casse-brique. Je m'attendais à tous les styles de jeu. Ce n'est pas un casse-brique, bordel. What, bordel. Oh, ce bordel. Un casse-brique. Est-ce que vous rendez compte? C'est un casse-fucking-brique. Mais c'est trop bien, et puis en plus c'est joli. Oh, je vais me faire sceller. On s'en fout. Allez, c'est parti. Alors, les trucs roses, c'est pas des ennemis. C'est juste... des machins où ça rebondit dessus. Alors du coup, là où il y avait beaucoup de couleurs, du coup, je trouve que c'est un peu dommage. Parce que dans le jeu là, maintenant, bah ça enlève beaucoup de visibilité au jeu. Parce que justement, il y a plein de couleurs. Et que c'est pas forcément ce que j'aurais attendu. Il y a beaucoup d'OFX en tout cas. Ce que j'aurais attendu d'un jeu où tu lances une balle. D'un casse-brique. Casse-brique avec des vaisseaux, quoi. Putain, trop fort quoi. Ça casse pas les briques, comme il dirait. Ah bah si, ça en casse. Et ouais, bah y'a rien d'autre. Est-ce qu'il faut les casser ceux-là? Ah, il faut les casser aussi. Ah ouais, c'est quand même des ennemis eux aussi alors. Il faut les péter aussi, mais bon, ils volent un peu comme ils volent. Tara. Est-ce que ça me donne donc ce que je ramasse? Est-ce que ça me donne des choses? J'ai 5 vies. J'ai pas. J'ai de l'XP. Ok, bon, on part sur ce level là. Le niveau 3, comme on voit. Mais c'est voilà, c'était très peu visible en fait. J'avais pas vu que c'était des niveaux tout à l'heure. Oh, l'ambiance par contre sonore, elle vaut largement le graphisme, c'est-à-dire qu'elle est pas mal. Ça donne envie de bouger la tête, au moins il y a du rythme. Par contre je pense que je vais avoir très très vite mal aux yeux, parce que c'est un putain de bordel.
Donc oui, donc ça joue avec la souris, ça joue pas avec le pad. Hein. Il a, tout à l'heure il m'a fait croire qu'il avait checké mon pad, mais... Enfin, le contrôleur. Mais non, non, ça se joue bien à la souris entièrement. Il n'y a rien d'autre à faire, pour l'instant, en tout cas. Ok, ça les a fait à l'avance. Perfect round, bonus tir. Hein. Ah, ça veut dire que je suis pas mort dans ce round là. Et j'ai gagné. Bah, j'ai 6 vies, voilà. Donc on continue. On va voir les différents modes, mais après, de toute façon, une fois qu'on a compris. Pyramid of Pain, la pyramide de souffrance. Ah oui, j'ai beaucoup souffert déjà. Je souffre beaucoup. Allez, souffre. Ok, voilà, j'ai encore perdu une vie. Je pense qu'en fait, ça va aller très vite. De toute façon, je ferai pas 40 parties. C'est la seule partie que je ferai sur ce jeu. Parce que c'est le genre de jeu qui peut être très très chronophage, surtout si... Puis après, ça sera répétitif aussi, donc... ça n'a pas tellement d'intérêt de faire tous les niveaux du monde. Je sais pas si je peux le tuer avant lui. Ah ouais, ça, il se détruit tout seul quoi. Le truc de ouf. Et il me reste qu'un petit vaisseau bleu à détruire. On va essayer de le détruire. Évidemment, c'est le seul qui reste. Voilà. Allez, on continue. Et putain, à chaque fois je gagne une vie entre chaque level. À chaque fois que je finis un niveau, on n'a pas fini, hein, on dit. Alors, comment ça va être ce level? Shield. Et il porte bien son nom parce que ça protège. En tournant, ça protège beaucoup mieux. Ah bah non, en fait non. Ah non, je viens de traverser tout le monde. Et puis j'ai l'impression que la balle elle a pas une trajectoire normale en fait. Par contre du coup il y a, en termes de contenu c'est très pauvre en fait, c'est toujours pareil. Il n'y a pas de bonus, il n'y a pas de malus pour l'instant, j'en vois pas en tout cas. Donc du coup pour ça c'est un peu décevant, on n'a pas ouais, de... volontairement de trucs un peu plus palpitants. Alors attendez, je suis au niveau 5-6. Je suis au niveau 6 déjà. Truc de ouf. Ça c'est parce que je suis un PGM. Parce que ouais, je les demande tous. Tranquille. Moi, je pense de toute façon, je pense que j'irai même pas, ça dépend si je suis permanent, mais j'irai même pas jusqu'au bout de toutes les vies parce que sinon ça peut aller, ça, je pense que ça peut être long. Ça n'a pas d'intérêt comme je vous ai dit, on est toujours sur la même chose. Moi je m'amuse pas plus que ça. Je m'attendais vraiment pas à ce style de jeu. C'était vraiment la surprise là. Il n'y a pas d'ambiguïté. J'ai vraiment été surpris. Je savais pas du tout ce que c'était. Je vais peut-être arriver à perdre, hein. Maintenant je disais que j'allais pas perdre, mais... Ou que ça allait peut-être être long, mais en fait je m'en sors bien. Ah non, ça moins bien. Puis je vais gagner une vie, voilà, super. Super. Balle dommage. Ok, boy. Et bah ouais, bah ok, je peux pas le prendre, bah ok, tant mieux. Ok, ça va pas quitter le jeu quand même là. Ah si, ça quitte le jeu. Ah mon dieu. Ah non, j'ai cru que ça allait quitter le jeu. Oh,
J'ai vu le curseur se mettre en rond, je suis oh putain, sans déconner. Ok, et ben il me propose le niveau rien du tout parce qu'il n'y a pas de machin, c'est un nouveau. C'est une nouvelle roue. Et ben je pense que je vais vous laisser là-dessus. On va s'arrêter là pour cette vidéo. On était sur Main menu, c'est bien. On était sur Yon Ball 2, Yon Storm. C'est bien de remettre l'écran titre en quittant une vidéo, c'est la grande classe. Donc j'imagine qu'il y a plein d'autres modes, mais on est sur un jeu de case-briques, purement et simplement. Donc voilà, si vous aimez les case-briques, ce jeu est, et que vous aimez la SF et les couleurs qui sont jolies, ce jeu est fait pour vous. Je vous avertis juste qu'au niveau de la visibilité, du coup, dans le jeu, il y a beaucoup trop d'effets, et que c'est... moi ça me fait mal aux yeux. Bah, personnellement, au bout d'un moment, j'en aurais marre. Voilà. Donc je vous dis à bientôt pour une prochaine vidéo, je vous dis que si vous avez aimé, partagez, aimez, commentez, abonnez-vous pour de prochaines, pour suivre l'actualité des prochaines vidéos, et d'ici là, portez-vous bien. Salut !